Alors justement, il y a un article, une loi qui votait le 28 juin 1904, qui votait pour le procès de la consolidation, qui donc consacre le président de la République et sa ministre de protéger tant qu'il est en fonction. Lorsque, de par fonction, il est tombé dans le droit commun. C'est comme ça que le président de la Simon Samba Contumas et le juge en bas ministre. Et on va nous officiel la procès de consolidation. Pourquoi il doit faire pour procès de consolidation? J'ai gagné une dette de l'État haïtien qui t'a libéré en goutte, qui t'a porté intérêt en goutte. Est-ce qu'on suit moi? Nous là, nous là. J'ai changé dette là en dette en dollars qui portait intérêt en dollars. Et j'ai fait bon monde gouvernement ça. Cadeau des bons de cette dette qui était portée des intérêts en dollars. Est-ce que vous comprenez le bagage là? Je fais plus tard acheter des tangouts là pour remplacer une dette en gouttes par des dollars. Gouttes là dévalué quoi jeudi, je n'ai jeudi. Donc l'État va si tellement perdu comme la payer et intérêt. Mais si vous transformez ça l'État doué jeudi en dollars, chaque jour qui a passé que gouttes là descend, l'État va obliger de payer plus quoi bon intérêt ou remboursement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une opération frauduleuse quand on a été jugé pour la présidence. Donc pas de monde qui est échappé la consolidation. Donc déjà en conseil de la et de la responsabilité personnelle et la responsabilité attachée aux actes de tous les pouvoirs, oui, de chaque pouvoir. Allez chercher la constitution, l'image est noire sur blanc. Je viens d'apporter d'actifs les outils par ça. Justement, parce que la constitution cadavérée, il prévoit comment on est capable de juger un président de la République. Pendant la fonction. Oui, pendant la fonction. Et nous rater. Après ça, je vais juger selon la loi du 28 juin 1904. Moi, insister sous Jovenel Moïse. Là, puis, même demande ça. Est-ce qu'on croit en 2012, lorsque il a arrêté Anel Belizer sous l'ordre de Michel Martelly, le Parlement a dû faire mise en accusation et Joseph Michel Martelly? Oui, mais il n'y a pas de majorité pour ça, il faut bien deux députés pour faire mise en accusation. Mais par contre, moi, t'es vive, bagarre, il fait des pressions formidables sur le gouvernement haïtien, ni étranger, ni haïtien. Pour la guerre, mais Anel Belize. Anel Belize n'est pas traité dans trop longtemps. Il est dormi. C'est un acte illégal que Michel Martelly était posé. Normalement, si il était fait en Haïti dans le sens du sérieux, Martelly n'est pas président encore, il faut revenir et Anel Belize était poursuivi. Ou faut revenir la justice haïtienne était poursuivi Michel Martelly pour arrestation arbitraire illégale du député Anel Belize. Il doit faire ça jusqu'on y a? Il doit faire ça jusqu'on y a. À moins que Martelly ait trop de temps passé, il y a une prescription. Mais il était qu'au jour que Martelly quitte le pouvoir, l'après-midi, il était à faire ça. Mais ça n'intéresse personne. Quand on dit nous-mêmes haïtiens, nous sommes peuple sans mémoire, malheureusement pour nous. Mon peuple sans mémoire, Georges Michel n'a pas là avec lui là. Nous allons regarder quelques autres questions. Peuple sans mémoire, quelques autres questions. On va regarder avec vous rapidement quelques questions sur l'actualité. Qui dernière fois parler avec Dr. Ariel Henry comme médecin privé? Comme médecin privé, mais l'envoie le premier ministre. Les amis ou tout? Les amis ou tout? Dans la vie? Les amis ou tout, il parle de l'île. Il parle de l'île ou mais qui conseille? Qui conseille au cabalé là pour jouer au pays aujourd'hui? Là, son pays qui a existence pays a menacé aujourd'hui par des groupes de criminels. Il y a un seul conseil. Dégagez au coup, M. Jean-Jacques, pour établir sécurité et pacifier le pays. Mais après deux ans là, il est révélé au bac capable après deux ans. Après bientôt deux ans. Écoute, Dieu dit à Ariel depuis le monté pour le mandat d'intervention étrangère. C'est ce qu'il a fait. Là, parce que je ne pas la police quand même pour le faire ça. Si la mère est trop petite, la mère n'a pas fait lui, mais la mère a manqué moi. Donc la mère n'a pas qu'à aller pour ridiculiser non plus. Donc soit l'étranger pour aider. C'est Biden et compagnie, il y a encore un groupe qui émette là. C'est pour le combat de bandits. Mais ouais. Biden besoin de voir Charles là surtout Canadien. Canadien pas capable. Canadien trop civilisé pour faire ça. Il n'y a pas d'expérience d'intervention en tiers monde. C'est une catastrophe. Heureusement que Trudeau et ça, il n'est pas entré là-dedans. Mais on a besoin d'intervention militaire pour mettre l'ordre. À part ça, va donc aller de haut. Moi-même, si je suis en place à Ariel, tu as fermé, n'est que mon plus grand pour ça. Je m'en ai Cuba et Dieu. Parce que même j'ai Cuba, vous êtes docteur pour vous, de t'avouer et militaire pour vous, pour causer bandit. Tout le peuple n'est pas d'accord pour vivre en bandit. Le peuple n'est pas qu'à vivre, il y a kidnappé, il y a massacré, il y a boulé.
ceci en tout cas. Laissez quoi groupe qui met la difficile vous mandez Cuba, venez d'où? Non, justement, là vous m'avez parce qu'on est dans Cuba, mais comme moi, une pression certainement pour te faire ça. Soit penser sur monde qui croit que nous devons retourner vers des pays africains pour nous backup pour nous sortir côté Nia. Sans façon de faire, parce que pays africains, c'est formidable. Pays africains francophones, c'est formidable. Mais il y a des pays africains qui ont une bonne armée, qui n'ont pas une bonne armée. Mm-hmm. Par exemple, l'armée sénégale, c'est une armée du premier rôle en Afrique. Mm-hmm. L'armée tchadienne, c'est une armée du premier rôle en Afrique. Mais il y a un ami qui est Burkina Faso, qui va pour grand chose. Ou bien Bénin, Togo, qui va pour grand chose. Sous les fonds de travail, allemand sur Internet, garder effectif à puissance différentes armées africaines. Il y a 54 ou 55 pays en Afrique, tout le monde pas. Mais il y a de l'armée africaine qui a 1000 personnes là-dedans, qui a 900 personnes. C'est pas ça, besoin. Mm-hmm. L'armée Afrique du Sud, là, son armée qui est relativement puissante. Nous voilà finis. L'armée égyptienne, Gounègue. L'armée algérienne, Gounègue, ça a été carré d'eau. Nous voilà finis, Georges Michel, bon moment de ça. Avant nous finir, où saute l'Italéa, c'est Ariel Henry doit débrouiller le temps pour mettre Jean-Jacques pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Mais qui sont pensés des montagnes qui ont chauffé là à 21 décembre, c'est celle-même qui a venu résoudre ça. C'est Ariel qui s'est retiré pied là pour me remplacer et puis moi-même a venu résoudre ça. C'est le résoudre la sécurité d'abord, pas chez pays après ça, après tirer Ariel. Parce que après tirer Ariel, je veux dire, on mettait mon montagne là. Pas gagné une garantie ou que tu as plus performant que Ariel en participé. Je suis capable de faire une certification, ça m'a favorable pour vous, Ariel, à l'évonir. Je n'ai pas garantie ça. Eh bien, justement, Ariel, pourquoi pas aller? Parce que, quand il y a un c'est confirmé, vous voulez confirmer là, parce que c'est médecin pareil, ou vous voulez confirmer là, comme si Ariel Henry t'a trop pavlé en intervention pour résoudre le problème sécurité, parce que. Ou, non, je suis d'après l'information, moi, je gagne. C'est tout dit pour être Ariel, le mois d'octobre, qui se passe là, pour demander intervention. Il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de lui pour deux raisons, parce que les nationalistes, nous, tout haïtien, nous, c'est nationaliste. Okay. L'intervention va faire un plaisir. Nous, tous, nous, c'est nationalistes. Deuxièmement, Ariel Pavlé, que Blanc Four est un trop fort dans l'affaire. C'est même raison qui fait que je venais pas de l'intervention. En 2019, je finis négocier l'intervention pour lire avec Trump. Trump a mis sur quelques haines contre bandits pour passer chez pays. Je ne suis pas d'accord. En 2021, au mois de mars, lors du massacre des policiers dans le village de Dieu, et le président Vladimir Poutine, offrir aux Jovenel toutes les aides militaires le besoin pour craser gagner au parti ce pays. Les Jovenel pas d'accord. Et bon ben que vous connaissez, bon les avoir arrêté ISO et les barbecues et les Jovenel et les Anchal, lui a arrêté de suspendre l'opération, ils ont gagné toute liberté pour sortir la piège. Je t'ai pas répondu. Jean-Michel, c'est nous faire bail là, oui, c'est journaliste. C'est des balles qui connaissent, qui répétaient, qui ressassaient dans la presse. Map font aucun détail, aucune révélation. Et journalistes professionnels qui ont nous-mêmes, il faut nous garder nous de faire révélation. C'est le monde qui peut faire révélation pour nous. Mais à ce moment-là, sous révélation, nous travaillons, nous investiguons, nous fouillons, nous faisons recherche. C'est pas le vrai du faux, mais travaillons. Nous pas là pour faire cette base en nationalisme. D'accord. On nous finit, historien Georges Michel. Où se dit, instabilité, si pas de instabilité politique, tu as gagné une dictature dans le pays. Mais il y a des gens qui croient. Instabilité politique relative. Ok. Qui sont les instabilités politiques relatives? Instabilité politique relative, c'est sur terrain, sous René Préval, sous Jean-Bertrand Aristide, sous Michel Barthélemy. De temps en temps, au grand gouvernement, il y a un mode qui fait 2 ans et demi. Américain poussé de le faire aller. Le président Matéli passe 3 premiers ministres. Au gain Gary Conin qui fait 4 mois, au gain Lamotte qui fait 2 ans et demi, au gain Evans Paul qui fait 1 an qui passe. Côté instabilité. Et Jovenel Moïse passe un peu premier ministre parce que M. Degen l'autre de la tête. Ils vont essayer d'aller sans raison.
parce que c'est passé sur un de grand biche pour jeter. Non, c'est un tombé dans la chambre de vite. L'on parle pas de loin. Non, qui, mais la majorité était pour Jovenel. Si Jovenel avait dit député, je parle de tout essai à faire qu'il a pris des par parlementaire qui va être appelé Wally. Oui, parlementaire Wally. Il va interpeller le CNJ de lui. Mais alors, c'est Jovenel qui fait jeter. Jovenel dit qu'il est intervenu pour sauver CR. Ok. Ouais, c'est Préval qui pousse nous, madame Pierre-Louis. Lorsqu'il a interpellé madame Pierre-Louis. Préval, pas défendre madame Pierre-Louis. Le sénateur qui a interpellé madame Pierre-Louis était proche de Préval. Donc, il a jeté madame Pierre-Louis. L'enfant, il a jeté madame Pierre-Louis. En l'espace de quelques jours, pour les ministres Jacques, Max Belrive, Jean-Max Belrive, qui a désigné. Passer dans le Parlement à tout dossier, du voté constaté. Parce que le dépôt du Préval. Et le dépôt de Matéli, c'est femme du cousin Matéli. Comment on a vu l'insécurité qui est dans le pays à Georges-Michel Bouffi? Ah, moi, j'ai vu très mal. Et l'insécurité, ça a été existé dans le pays à seulement entre 1914 et 1915. Grandement, qui était l'Onca et qui pour nous toujours, qui était l'Ang, oui, des remparts et grand oui. Dis-moi ça, l'Okako était entré en 1914-1915 dans le Port-au-Prince. Il est tellement attiré que lui-même, qui était 8 ans, 9 ans, il est obligé de coucher en bacabane pour l'échapper à Balkako. Et grand maman, il est obligé de mettre le matelas dans la porte, dans la fenêtre pour amortir la balle. Maintenant, ça a été l'intervention 1915 à fait. Et au gain de la contre-intervention 1915 là, son barouri, bon, moins comme du tout. Mais en tant qu'historien, on reconnaît que le parti du pays a très très longtemps. Et ça, on va vivre là, c'est la conséquence du renvoi de l'armée par William Jefferson Clinton, qui vient intervenir en Haïti pour craser tout le bagage. Je mettrai Aristide dit dimanche là. Non, ça n'y est la journée aujourd'hui, c'est l'événement 2004 qui a été poussé d'ol qui mettait la aujourd'hui. Non, mais non, mais maintenant, 2004, ça, mais ça, nous, on a déjà là. C'est pas le cas. Parce que le pays a été tellement incontrôlable avant 2004 que la France, les États-Unis, le Chili et le Canada obligés à intervenir pour établir l'ordre. Mais 4 mois après, au mois de juin 2004, je passe mes ministres. Ministres composés d'une bande latino-américaine, brésilienne, espagnole, latine. Donc, il n'est pas aussi efficace que les forces de grande puissance, la France, les États-Unis et accessoirement le Canada. Donc, il a fallu pacifier le pays après le départ de Jean-Bertrand Aristide et remettre le pays en ordre. Et ça a débouché sur l'opération militaire, la Cité Soleil, par ministre qui était dirigé par René Préval avec Edmond Millet. Et Edmond Millet était obligé de faire pression sur René Préval parce que Préval va brûler. Même plus de force, Préval a déclaré la radio. Que place aux bandits, aux terroristes, c'est ou bien la prison, c'est ou bien le cimetière. C'est la place, nég, nous, il est là normalement. Donc, situation vient contrôlée pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'en 2017, à la demande de Jovenel Moïse, le ministre a vint aller, et la situation a commencé à redégrader encore. Et c'est entendu que Jovenel Moïse rétablit la même avant un groupe coup de chapeau pour lui. Mais il n'est pas mettre l'armée sous poil. Il prend le dossier à l'Evigny. Il n'est pas bon suivi la donne. Quand à Martelly fait 5 ans, il dit le veut de l'armée. Et Martelly, à chaque fois, a parlé de l'armée, c'est lui, il a pris. Moi-même, je ne peux pas l'avoir, le secrétaire d'État Martelly à la défense pour 8 jours. Sur 8e jour, moi, je joins une mission militaire d'évaluation de l'armée américaine pour Martelly. Matéli évoqué maintenant après-midi. Vous gardez la parole? Pour qui ça? Ça pour qui ça? D'après ça, je dis, nous sommes plutôt indépendants. Nous le savons pour lui. Et que nous ne pouvons pas faire ça avec lui. Mais raison. Ok. Nous vraiment fini, Georges Michel, vraiment on a fini. Mais moi, très assis envers Jovenel Moïse par rapport à position. Non, je m'en reconnaître. Je m'en reconnaître. Non, mais mérite Jovenel. Jovenel, son grand chef d'étalier. Il a pile vision, son rassembleur, c'est son homme de lumière et de progrès. Moi, je venais avant le président. Je fais des bons bagages pour le pays. Il rétablit l'armée. Il asphalte des routes pour le paix. Il fait un bon pont, une bonne route dans le plateau central. Il asphalte des routes là au Caire, là où il est au Caire.
les continue de travail à l'aéroport international de Caille. Ils font pile bagaille. Ils font l'aéroport Jérémy, ils ont pris l'asphalte à l'aéroport Miraguana et quelques autres pays. Mais malheureusement, M. Boulet Chemisette, il est viré pays à la chemin dictature. C'est la mort journal là qui évite nous prendre pour dictature. Ou dit li vire, alors bon, peut-être li mouri, on pas fait débat sous ça, te passé document, li pas non même pas comme ça que nous pensé li, mais vraiment. Je sais les documents, content. Mais d'accord, merci, moi pour le prendre les documents. Ouvrez trois versions de documents, li nous mettre les crayons, mettez une question à la tête à beaucoup de choses, et puis li prenez les trois documents, ça y est là, li un après l'autre avec crayon, et t'as dit ça, vous fait. D'accord, on finit. Et on apprend un cinquième document qu'on a besoin, li mettez côté le tout. Et c'est Constitution 64, François Duvalier, qui a adopté par référendum avec la présidence à vie, et on met sous-joint ni tout, on met gardé Constitution 1935, c'est le versant qui était installé dictature dans le pays en 1935. Mm-hmm. C'était une constitution que Zanis Stenio Versant, dictateur polonais, Maréchal Joseph Pilsudski, qui a écrit pour Stenio Versant. C'est Pilsudski qui fait Constitution ça pour Versant. Parce que Pilsudski te mette une dictature dans le pays de la Pologne avec la constitution. Donc, il y a six textes à voir. Il y a un septième texte à mettre en tout. C'est la constitution de 1789. D'accord. Parce qu'on va voir côté une sortie, pas plus côté une passée pour nous arriver à 87 là, et côté journal de Vémenel. C'est la première fois que nous parlons avec vous, quand il a la parole depuis l'assassinat de Jovenel Moïse là. Opinion sur l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est que son assassinat multisectoriel. C'est des groupes qui viennent des intérêts divergents et qui viennent d'un intérêt convergent à l'assassinat de Jovenel. C'est un bar qui planifie depuis longtemps et son bar qui coûte un pile comme. C'est gros comme qui met dehors pour faire assassinat ça. Bon paquet pour vos yeux. Et il est évident que les gens qui tuent Jovenel qui souterrain là ce jour, et fonctionner tout. Côté Mounsa, oui, Mounsa, ok, Jovenel. Par exemple, je n'ai pas dit au côté de lui. Je cache mon côté. Et Mbabdo, au côté du cachet. Mais on côté le cachet, là? Oui, je dis, la rue a dit côté le cachet. Qui va la rue a dit qui côté le cachet? Ah, je sais qu'on est, ça, c'est pas mon paldo. C'est son paldo. Dans la terre, on prend ça facile. Mais non, mon nom dit qu'il a eu Georges Michel. Le président le compte en 1912, je sautais la petite paille nationale. Je ne veux dire en 2023, nous pouvons rejoindre exactement qui mon qui a assassiné. Non, dit mon qui a assassiné le là, je dis, est-ce que vous voulez dire que mon qui a assassiné le jeudi à là, il a bénéficié de pouvoir? Et ça, vous voulez dire? On y garde, un bagage. Enquête n'a pas avancé, procédure judiciaire n'a pas avancé. À chaque fois que qu'on juge qui fait un avancement en bas là, je mettais pas dans la roue. On y croit ça, président Poutine a fait en Russie. Depuis mon nuit, Poutine, il faut assassiner ou bien faire empoisonner. C'est Gobal ou dit là. Et moun qui lit dans l'être fin comprendre que, fait conclusion que, et je dis à là, moun qui occupe espace pouvoir politique, yo, gen pouvoir avec la mort Jovenel Moïse. C'est ça, vous l'avez dit? Par exemple? Par exemple, qui est sûr comme ça? Non, ma cité non. C'est pas la peine. Et Georges-Michel, est-ce que le président Moïse te consulté lorsqu'il t'a fait, lorsqu'il te voulait faire référendum sur la Constitution? Oui, il me dit non. Ou te dit non? Et depuis, oh, il me dit non. Depuis, il me dit non, il fait un conseiller RLM dans le mois de juillet 2020. Après ça, il va jamais RLM encore. Pourquoi ça te dit non? Pas de vouloir des pays? Je ne parle pas de référendum. Ok. Mais comme ça, il y a qui servent pour mettre une dictature en Haïti. C'est le référendum François Duvalier avec le référendum Tenu Vincent. C'est pas ça le tambon. Merci en pile, Georges Michel. Merci en pile. Que bella. Mais ça me dit, monsieur. Mais ça me dit, monsieur, la dernière conversation téléphonique, monsieur. Avec Jovenel Moïse. Monsieur, mon cher. Avec Jovenel Moïse. Moi, dis, monsieur, mon cher, si mon conseil pour me battre au président, pas essayer de faire trop de bagailles. Fais élection, font honnête, pas chercher toutes les élections. Et ou après nos partisans qu'on va monter parce qu'on est plus populaire que les autres partis politiques. Il n'est pas trop content, il va y avoir les bancs. Ensuite, il était fait au conseiller, le téléphone, j'ai parlé au conseiller, j'ai dit la même chose.
que j'avais dit au président Jovenel Moïse. C'est pour bien que je parle, mais je venais de l'arrivée sous pouvoir, je vais investir, je vais m'attendre. Fais-moi confiance, je vais m'attendre. Merci en pile. Merci en pile, Georges Michel. Merci en pile. D'accord, merci à vous et à la prochaine. Fais ça plus souvent. On a fait ça plus souvent. D'accord. On a fait ça plus souvent. D'accord. Georges Michel content. Il dit fait ça plus souvent. Alors, pays a content tout, hein? Pays a content tout. Pays a content. Ça n'a fait n'a pour un tour entré enchaîné avec Guito Edouard, puisqu'il ne va pas aller de l'eau. De l'eau, dans la Constitution 86. Mais, tu vois, que Georges Michel dit, bon, mais tout n'est sous l'île, il dit, bon, ça que président Moïse, lorsqu'il t'a le croisé, et t'a le croisé Joe Biden. Donald Trump et. Dans la Mar-a-Lago, en Floride. Trump t'a offert l'intervention militaire pour t'éliminer gang yo. Ouais. Mars 2018. Ouais. Mars 2019. Mm-hmm. Il t'a refusé. Il dit, un mois après, La Russie de Poutine offrit président Moïse même aide là. Ouais. Moïse t'a refusé. Et l'homme de la nouvelle ça, il dit, bah, révélation, c'est nouvelle qui a atteint tout journaliste comme ça. Bon, bah, journaliste. Bah, journaliste. Bah, comme ça. Ok, nous avons parlé avec l'historien Georges Michel. Est-ce qu'on a pris une pause là pour nous entrer avec Guito Edouard ou bien on a tout entré enchaîné avec DG Guito Edouard? Marcel à Joseph dit, on nous prend une pause là. Je pense que DG Guito Edouard pas déranger. Vraiment, deuxième partie. Is it pop or is it soda? Caramel or caramel? Is a flip-flop acceptable anywhere but the beach? People can't seem to agree.